Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour terminer les cartes de Noël pour mes petits-enfants. Donc je ne sais pas si je vais parler pendant que je les fais, c'est-à-dire pour que la vidéo ne soit pas trop longue. De toute façon vous allez comprendre en voyant. Et puis comme je vous avais déjà vu la première, comment je faisais, bon là vous allez comprendre je pense, en voyant comment je fais pour les autres. Voilà, bon peut-être que de temps en temps je dirai un petit mot, on verra. Allez, je vais vous changer de pied, je vais vous mettre ici, pour que vous voyez mieux ce qui se passe au-dessus, en dessous. Plutôt. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Alors, comme j'ai dit, bon, je vais pas parler beaucoup. Je vais plutôt être en action que de papoter. La première, ça va être sur la carte dorée. Voilà. 15-15. Je vais utiliser ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc, je vais recouvrir une partie de la carte avec du velours. Voilà. Il y aura mes petits lutins, je vais voir lesquels je vais mettre, puis bon, je vais voir au fur et à mesure que je vais faire la carte. Voilà, allez, on va attaquer, on va déjà choisir quel velours je vais mettre. Pensez au blanc. Ils ont collé sur le carton. On va voir. Je mets ça derrière. Donc ça mesure combien? Je vois 15. Ma carte fait 15 aussi. D'accord. Donc celle-là sera pour après. Je vais d'abord découper un fond. Bon là c'est un fond comme ça, un marron. Ça n'a pas grande importance. D'abord faire 14 pour voir si ça me va. Difficile, c'est ça, c'est d'avoir, voilà, j'espère que ça va aller, c'est vraiment très très fin. Je voudrais pas gaspiller
colle, hein, en tout cas. Ah, ça colle. Voilà. On va prendre la Big Shot. Je pense que ça ira, hein. On va vérifier. Donc celui-là, vous vous rappelez, c'est de l'autocollant.
Alors, je voulais un nuage. Je ne sais pas où j'ai mis mes nuages. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Je regardais là. Je fais tout tomber, catastrophe. Bien, j'ai un dice qui est tombé derrière. Oh. Miss catastrophe, vous connaissez? Heureusement que vous ne me voyez pas là, je suis en train de faire que des bêtises. Une chute, oui, c'est bon. Désolée, hein, je vous fais bouger, mais ça, c'est à cause de la bichotte. Ça rentre là. J'essaye de faire dans les chutes. Petit, on va voir si j'utilise, mais bon, je vais le faire. Et voilà. Pour l'instant, alors mes petits bonhommes. Toujours pas retrouvé. J'avais un dice hein, en forme de sapin, mais j'ai toujours pas retrouvé. Ça m'embête. Tant pis. Alors, là, par contre, comme ça va être une carte dorée. Là, je l'ai, mais je crois que j'en ai un d'entamé. On va regarder. Oh, doré. Voilà, je savais. Hop. Je ne sais pas si ça va tenir sur un nuage. On va essayer. Comme le nuage est granuleux,
essayé avant. Voilà, ça a l'air de tenir. J'aime bien comme ça, ça fait tout doux. Alors, mon sac, vous avez compris, va me le falloir. Voilà, avec sa petite maison. Ça ira très bien. Ben on va coller lui en premier. Thank you.
Voilà. La petite maison dans la prairie. Là, elle est plutôt dans la neige. Donc là, je mets du simple double face. Voilà. Puis ce qui dépasse. Voilà. On va recouper une petite bande de neige. Voilà.
Alors, je coupe ce qui est en trop. Je vais avoir des paillettes partout. Ça dépasse un peu. Voilà. Les nuages. On remet une épaisseur.
Voilà. Et le tout petit. Alors lui, il va avoir 3 épaisseurs. Trop long. Alors pourquoi je mets autant d'épaisseur? Ben, c'est pour que les nuages soient l'un sur l'autre. Donc, encore une. Alors, il manque quelque chose. Oh, j'ai mis. Ah, voilà. J'ai pas dû dorer en... Je vais faire les petites étoiles, je les ai qu'en mousse, comme ça. Je vais regarder si ça va. Ou alors... je sais pas. On va essayer. Je vais voir si ça passe à la big chef. Je ne suis pas sûre. J'ai ma petite étoile en mousse. Donc, je vais en faire 2-3. Hop là, bien d'accord. Comme vous savez, je fais des nombres impairs. Thank you.
3, je vais encore en faire 2 et je verrai bien. La mousse est toute toute fine, donc je vais couper là. Ben, ça peut pas passer plusieurs fois à la Big Shot. Hein. Je vais en faire 2 là. Celle-là, elle est épaisse. Celle-là, non. Et donc, une à côté. Hop. Et voilà. Ça ferait ça. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je les colle. Donc, comme j'ai oublié de remettre mon aiguille. J'espère que ça va aller. On va voir. Je ne peux plus couler celle-là, mince. Hop là, là ça coule. J'en ai plein les doigts.
Et la dernière. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup. Alors maintenant, on va mettre du double fin, du 3D. Et voilà. Alors, un petit coup de brillant sur le bonnet du Papa Noël. Un petit peu sur ses chaussures. Donc il me reste la petite pochette à faire à l'intérieur. Je vais la faire après. Maintenant, la dernière. Alors. Alors, ma poche. Alors,
sur 14. Alors, je vois comment je fais. Dans l'autre sens. Vous savez que je prépare jamais rien à l'avance, hein. Je fais toujours au feeling. Avant, je regardais un truc. Ouais, on va en couper un. Vous savez, je ne sais plus où j'ai mis mes dies, donc on y va à la main. Le pire, c'est que quand j'aurai fini mes cartes, je vais retrouver mes dies. C'est toujours comme ça.
On va chanter une chanson, hein. Allez, j'arrive au bout. Hop, voilà. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait des marques pour retrouver où je mettais mes petits lutins. Voilà, maintenant, je peux mettre ma neige. Par en bas. Voilà. Donc là, il y en a un qui va venir là. Mais je vais couper ma neige avant. Alors, un bout de neige. Là, j'en ai plus. Hop. On va la mettre à la bonne taille. Oh, mon bureau, il commence à être... Ça, on va le garder. Viens par ici, toi. Voilà. Hop, 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 j'ai encore besoin
un peu de ma Big Shot après. Pourquoi mon truc il arrondit là? Oh! Pourquoi c'est pas droit? Bizarre! Ah oui, j'ai pas coupé droit. Oh oh, pourquoi ça n'a pas coupé droit? Ça, c'est bizarre. Là, c'est droit. Je sais pas pourquoi ça faisait ça. Ah, c'est mieux. Bon, là, par contre, je vais mettre mon petit mutin avant. Donc là, je ne mets pas en autocollant puisque je vais mettre du 3D. Voilà. Ah oui, mais le... Regardez, ça s'en va. Bon. Alors. Alors, on va remettre dessus. Ce n'est pas grave. Thank you.
Hein. Il y a quand même un petit bout au bout. Alors, désolé, il y a une petite coupure, il n'y avait plus de place sur mon téléphone. Alors voilà, où j'ai collé le morceau que vous m'avez vu découper là, juste avant. Voilà ce que ça fait. Les petits lutins enfouis sous la neige. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que j'en... Je cherche toujours ma petite étoile. Oh, où est-ce que j'ai encore mise? Elle est tellement petite. Bon, alors, je lui mets des petits nuages. Non. Ça y est, j'ai perdu mon étoile. J'ai perdu mon étoile. Ah, la voilà. En quelle couleur? Oh, je suis essoufflée. Je vais descendre du coup pour vider le téléphone. Alors, je vais prendre. Oh, il y a un boxon. Il y a un boxon sur mon bureau. Ah, je vais l'argenter. Youpala. Déjà ça, je vais en avoir besoin. Bon, que personne ne sorte. Voilà. Les étoiles. Ah, il y aura les cartes de Nouvel An. Après, ce sera les cartes de Pâques. On va pas aller trop vite, hein. Cette année, tu as passé assez vite comme ça. Enfin, heureusement, je dirais. Heureusement. Une cinquième et c'est bon. Thank you.
Voilà. Hop. Donc là, la petite étoile. Avant, comment je marque mon joyeux Noël? Bonne idée, je le marque comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Vous savez pas comment je peux le marquer? je cherche une idée originale. Je marque directement dessus. On va voir si ça marche. Ah ben, je cherche après ça, je l'ai dans les mains. Ah, je vous dis. Alors, les petites étoiles ici. On va voir si ça fonctionne. Comme ça, ça fait pas trop charger. Je vais faire mes petites étoiles. Bien mettre dans la neige. Et la dernière.
J'ai envie de mettre deux joyeux Noël, un là et un là. Pourquoi pas? Non, petit sapin, non. Voilà. Alors, hop, on va lui mettre du double face. Donc là, vous voyez, pour l'instant, enfin pour l'instant, c'est fait, mais... Oui. Voilà. Alors, un petit coup de brillant sur les petits chapeaux. Voilà.
et la dernière. Voilà. Hop. On va laisser sécher. Alors maintenant, les petites pochettes. Pochette, papier, papier. Alors, je vais prendre du papier comme ça. Celle-là, pour la dorée. Celle-là, pour la verte. Et il faut que j'en refais une pour la bleue. Parce que ça n'allait pas. Voilà. Enfin, c'est pas que ça n'allait pas, c'est que je sais pas ce que j'ai fait. Ça s'est décollé. Désolée, hein, je vous fais bouger, vous voyez mon gros bras. Et le dernier. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'il a? Voilà mes cartes, enfin mes petites pochettes. Donc, c'est des choses, ça fait la taille, vous voyez, comme une carte de fidélité.
petit doigt rentré dedans. J'avais des pinces de couture, c'est plus petit. Ça colle bien. Voilà. On va attendre que ça colle, on va faire les autres. Je trouve qu'il y a une petite, il faudrait que j'enlève un petit millimètre. C'est un peu juste. Je trouve que c'est un peu juste quand je le plie. Voilà, c'est mieux.
Voilà. Et le troisième, donc on va couper un peu aussi. Voilà. Et voilà. Elle colle très vite, hein, la colle, donc ça va. Mais une double face vraiment sur les bords. Voilà. Voilà. Donc, ils mettront leur petite carte. Voilà. Dedans.
en voilà une. Alors, avec son enveloppe, très important. Voilà. Voilà la première. Sa petite enveloppe. Voilà. Et maintenant, sur la bleue. Voilà. Donc là, j'avais enlevé l'ancien, vous avez vu, et ça va, heureusement, ça n'a fait aucune trace. Je l'ai enlevé tout en douceur. Et voilà.
avec sa petite enveloppe. Et voilà, mes cartes sont terminées. Donc, je vais vous les montrer. Hop, je fais de la place. Et voilà. Voilà. Donc la première que vous connaissiez déjà. La deuxième. Donc avec son fond en velours. Enfin, une petite fourrure. C'est comme du velours, oui. Et la dernière. Voilà. Je vous les remets en photo à la fin pour que vous les revoyiez. Voilà. Ouais, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite, elle aura été un peu longue. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Il y a encore temps de faire des cartes de Noël. Hein. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Bisous, bisous. Au revoir.